Yop tout le monde, donc aujourd'hui, mais comme vous voyez, on se retrouve pour une nouvelle petite session de pêche et vous allez peut-être reconnaître l'homme qui est avec moi, un touriste, un vrai touriste du Nord. Donc Kanto est descendu dans le Sud, un bon vrai touriste avec l'accent du Nord, pour faire d'autres en vacances ici, donc à Argelès. Il va descendre assez souvent en vacances sûrement à Argelès. Et donc forcément, on va se faire une petite session de pêche, c'est un peu logique, parce qu'on ne peut pas descendre en vacances sans se faire une session de pêche, sinon ça serait pas marrant. Donc au niveau du département, nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, ceux qui sont d'ici vont peut-être connaître. Donc c'est une session de découverte, je suis venu une fois, mais vraiment vite fait avec d'aide, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a comme fiche. On ne connaît pas trop les spots, on ne connaît pas trop grand chose. On va principalement rechercher à peu près tous les carnassiers qu'il est possible de trouver. Hein. Au niveau des lacs, il y en a deux, un très grand, le barrage de Vinça, et un plus petit juste à côté. Puis bah, écoutez, on va bien voir ce que ça va donner, hein. J'espère qu'on va réussir à prendre du fiche, parce que bon... Anto, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas été gâté. Ça fait une semaine il est là et une semaine il y a un temps de merde dans le sud. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a du marin, il a plu, enfin, c'est juste n'importe quoi. Donc voilà, bah écoutez, on va gentiment se lancer, on va préparer le matos et puis on se retrouve si l'on fait d'où fiche. Ouais. Oh, c'est beau. Ah, c'est correct. Hein. Nice. C'est une perche? Oh merde. Non, c'est une belle perche. Putain, ouais. Putain, ouais, elle est jolie. Bon, en tout cas, je confirme la Ultimate, elle est bien résonante. Putain, ouais, elle est belle. Oh. Putain, ça va être marrant pour la montée. S'il te plaît, te décroche pas. Aïe. Putain, ouais. Bon, bah écoutez, les gens, ça commence. Doucement, mes mères, s'il te plaît. T'inquiète, tu vas retourner à l'eau de l'autre côté, malheureusement. Avec un petit Define de chez Dewa, je crois, ou un truc dans ce genre. Je sais plus le nom précis. Ouais, une belle perche de 30 qui m'a mis une boîte. Bon, en tout cas, premier fiche sur la Ultimate, bien concluant. Franchement, ça a l'air bien, bien, bien résonnant. Ça a l'air vraiment super résonnant sur la Ultimate. C'est vraiment, j'ai pris une bonne cartouche. Pour comparer à la Vidix, on va dire que, bon, pour l'instant, je peux pas faire de conclusion, mais ça a l'air de se valoir, en tout cas. Ouais, une belle perche. Tu vois, même de ce côté-là, il y en a des belles, hein. Mais elles sont, t'as vu, elles sont au fond, par contre. Hein. Faut aller vraiment le plus au fond possible. Hein. Et bon. Allez, on va être relâché là-bas. Doucement. Hop. Allez, mes mères. Hop. Allez, regardez là. Elle est partie direct sur le caillou. Juste en dessous, elle a pas bougé. Ma petite mémère. Bon, c'est bon ça, ça commence bien. Ça commence bien les gens. Ouais, oh, elle est belle celle-là. Ouais, elle est sympa celle-là. Ouais, elles sont là, hein. Non, pas dans la souche. Elle va dans la souche. Oh putain. Ah, celle-là elle est sympa, tu vois, elles sont là, hein. Merde. Elles sont là, les belles mémères. Oh. Mais ouais, je vous confirme, la petite canne Ultimate, bien, bien sensible. Putain, elle me gobe ça à chaque fois, mais c'est violent. Hein. Ouais, c'est une petite 30, elle est pas énorme, mais bon. Une petite 30. Bien sympa. Ouais, ils ont 4 pouces. Pour changer, j'ai envie de vous dire. Je pense que vous commencez à comprendre que je pêche un peu beaucoup avec les isdongs, moi. Hop. Allez, on va la refouter à l'eau de l'autre côté. Petit perche. Ouais. Oh putain, c'est correct. Oh, c'est beau. Enfin, c'est un peu plus beau que tout à l'heure. Hein. Putain, c'est sympa. Je pensais une perche, mais ça a l'air plus joli. Putain, elle m'a mis une boîte, mon gars. J'étais en train de me poser. Putain, ouais. Ah oui, non, c'est une belle perche. Hein. Ouais, non, sympa, c'est une 30. Putain, c'est bon, ça. Putain, ouais. Bon, je vais te laisser pêcher, quand même. Quand même. Oh, putain, ouais, elle est belle. Elle est belle. Aïe, on va essayer de pas se péter la gueule.
Putain, une... putain, elle est jolie, hein. Elle est bien grasse comme un petit cochon. Oh putain, c'est bon ça. Doucement, 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 doucement. Voilà les gens, une belle perche. Qui doit bien faire ouais, un 30 plus quoi. Ah, elle est bien jolie. Oh, ils donc pour changer. Hop, petit isdong, je pense que vous commencez à le connaître celui-là. Ah, une belle mémère quoi. Putain, elle fait plaisir, elle m'a mis une boîte. Tu sais, j'étais en train de m'asseoir et je dis putain, c'est bizarre, mon fil est fait un truc louche. J'ai même pas ferré, hein, c'est mis tout seul au fond de la gorge et on va la relâcher gentiment ici. Allez, mémère. Hop là, elle est partie dans les cailloux. Ouais, nice. Putain, ouais, elle est belle aussi, hein. Oh ouais, un poil plus petite, mais elle est jolie, hein. Nice, Anto. Énorme. Ah, pareil, ouais, à peu près la même, hein. Ouais, si, c'est la même, hein, quasi, non. Ah, nice. Ah, c'est génial. Ouais, un poil plus petite, elle va faire un petit 30, elle. C'est juste dommage que t'aies ta grosse canne, toi. Parce que là, les gens, Anto, il est avec une 10-40. Ouais, voilà. Il y aurait moyen d'avoir un joli combat. C'est de la lâcher un peu plus loin en bas là-bas. Moi, elle est partie direct dans les cailloux en dessous en plus. Oh merde. Oh putain. T'en fais gaffe, tu m'as pris. Non, c'est bon. T'en fais gaffe, par contre, du coup, j'ai jeté à gauche à moitié. Ah ouais. Ouais, elle est belle. Oh putain, c'est joli. Non, là par contre, c'est plus joli. Putain, la boîte. Ah, quoique, je sais pas. Enfin, c'est beau, mais putain, la boîte. Huch. Non, non, c'est joli. Hein. Non, oh putain, elle est belle. Oh là là. Oh, Masta. Bidjet, jet. Oh la Masta. Oh, elle me l'a coffrée, elle est au fond de la gorge. Putain, non, les gens énormes. Oh la boîte. Doucement, doucement, mes mères, s'il te plaît. Ouf. Le Ace Dong, elle l'aime, je te le dis. Putain, elle me l'a coffré. C'est bon. Wow. Non, 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 non. Tu restes là. Loupé? Franchement, laisse-toi poser au fond, tu fais rien. Bon, les gens, pas une Masta, ça va faire 37, 38, ça fait pas 40. C'est sûr, mais bon. OS donc 4 pouces cette fois-ci. Anto vient d'en louper une. C'est énorme. Putain, elle m'a mis un combat, celle-là, franchement, ça fait plaisir. Faudrait presque que je desserre mon frein un peu, parce que là, par contre, voilà, une belle perche. Putain, c'est bon, ça. C'est super méga bon. On va la refoutre là. Ouais, joli. C'est beau, ça. Ouais, c'est joli, ça. Enfin, avec ta canne, non, mais au ferrage, c'est joli. Ouais, si, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Oh, c'est génial. Je sais pas si elle fait 40, sinon je dirais plus une... Putain, il y a des... Oh, là, c'est... Oh, elle est belle, c'est une 30. 35, ouais. Putain, là, ils sont tous. Oh, c'est génial. Au Polaris, allez. Oh, elle est belle, si, elle est belle, quand même. T'as vu, elles sont posées au fond. Là, essaye d'aller le plus au fond possible, là-bas, là, t'as un trou sur la gauche, toi. Nice, ouais, ça c'est joli, par contre. Enfin, je sais pas, j'espère que t'as pas une branche, mais bon. Pose-toi au fond, et... Ouais. Elle est belle, elle est belle. Oh, nice, doublé. Moi, ouais, elle est belle. Oh, putain, oui. Ouais, tiens le fond, par contre, moi. Putain, elle est jolie. Oh, putain, non, non, mais moi c'est vraiment joli, en tout. Bah, mec, j'arrive pas à la remonter, hein. Regarde. C'est vrai? Oh non! Ouais, elle l'a par la bouche, hein! Oh putain! Non mais sérieux! Oh là là! Oh là là! Oh non mais. Ah mais mec! Putain! Non, t'inquiète, je devrais y arriver. Ouais! Pour ça, je t'ai dit, ça aurait été une perche, elle faisait 50. Regarde-la, regarde-la! Elle tient le fond, elle veut pas venir. Et en plus, je suis sûr qu'elle l'a par la bouche. Enfin, je pense. Ouais, toi, c'est pareil, t'as la même, hein. 30. Trop putain. Bon bah écoutez, moi les gens, une carpe. En même temps, vous allez... Ouais, putain, nice. Je pense que vous avez l'habitude. Carpe au leurre, OS Dong.
Putain, elle veut pas venir. Allez, 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 ouais. Non, elle veut pas venir. Plus, elle arrive quasiment pas à tirer le frein, mais. Bon, après, faut quand même que je fasse gaffe. Ah, 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 ça fatigue. Putain, la icône, mon gars, elle plie. C'est quoi ce truc de barre, sérieux? Non, non, non. Putain, elle est en train de se barrer. Non. Calme-toi, calme-toi. Elle est belle. Ah non, mais surtout qu'elle me met des rushs, là. Vu que je suis en 21, quand même, on va éviter. Ah. Puis ma canne, moi. Pff, la icône, une fois qu'elle est pliée, après. Bon. Bon, après, elle a pas non plus les watts de ouf, mais. Elle fait des petits allers-retours, tranquillou. Ah, 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 ah. Non. C'est génial. Ah. Après, je sais pas, je l'ai peut-être harponné quand même. Ouais, moi aussi, je pense. Mais je sais pas, je sens des coups de tête, c'est ou des coups de queue, donc je sais pas. Oh putain, eh ben. Oh, elle est partie au fond. Putain, mais c'est nerveux, hein. Oh. Elle est en train de me prendre du fil et tout. Non, 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 non. Ah, ah, allez, viens. Putain, elle, va... ah, elle passe au-dessus du béton. Putain, elle va aller dans les cailloux, cette saloperie. Allez, viens, s'il te plaît, je vais te remettre à l'eau direct, de toute manière. Ah, ça y est, ça commence à fatiguer. Ouais, non, si. Ah, elle est par la bouche. Ah, elle l'a en plein dans la gueule. Putain, ouais, elle est belle, hein. T'inquiète, mes mères, tu vas vite y retourner, l'eau. Putain, elle est magnifique, par contre. Je sais pas, les câbles, j'y connais rien. Non, je crois que c'est une... Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une commune, ouais. Les carpes, je suis pas un spécialiste, mais oui, ça ressemble à une commune. Mais elle est belle, hein. Elle est toute cuivrée en plus, là. Allez, mes mères, je sais que tu commences à fatiguer, là. Quoique, ouais, elle a encore l'énergie, un peu. Putain, c'est vrai qu'elle est jolie. C'est vrai que j'aurais peut-être besoin de ton aide, en fait. Parce que je la voyais pas aussi grosse. Et je sais que c'est la merde à sortir, ça. Allez, mes mères. Putain, mais elle tient le fond encore. Putain. Elle l'a en plein dans la gueule, quoi. C'est vraiment... Les carpes chez nous, je sais pas ce qu'elles ont, mais... Enfin, je sais que ça se fait des carpes au leurre, mais bon. Nous, on en fait au moins 5 ou 6 par année, hein, et par la bouche. Hein. Bah, Dez, là, il a fait... T'as pas vu celle qu'il a fait au Shinmushi? À Perpi? Je sais plus, ouais. Réalise Shinmushi. Tu sais, il y avait un mec qui avait jeté un gros bout de pain, et on voyait toutes les carpes qui gobaient. Il a posé son réalis en plein milieu, boum, pendu. Un peu plus petite que ça. D'ailleurs, en plus, c'est con, j'ai perdu le clip. Je l'ai effacé. Oh, c'est génial, ça, les gens. Putain, elle est grosse. Attends, je vais essayer de prendre des photos, au moins. Attends. Tu la tiens? Essaye de prendre une belle photo. Allez, allez, dépêche-toi, s'il te plaît, l'appareil. Belle. Ouah, c'est bon, elle a pas tapé. C'est bon, elle s'est décrochée. Elle s'est décrochée, toi. Ouais, heureusement. Bon, ça va les gens, elle a pas tapé. C'est surtout qui me faisait peur, elle a pas tapé la ferraille. Putain, c'est bon ça. T'as pas trop trempé? Putain, non, c'est bon ça. Putain, c'est beau ça. Bon bah les gens, cimer en taux. Nice. C'est une perche, ouais. Ouais. Nice. Ouais, elle est belle. Hein? Ouais, c'est une belle trompe, comme tout à l'heure. 35.
C'est bon ça. Bon, bah décidément. Encore au Polaris. Ah non, si, ouais, non, c'est une travail. Comme celle que j'ai faite tout à l'heure, 37-38. C'est bon ça. Une belle mémère. Au Polaris. Attends. Ouah. Ah, t'as pris au fond encore ? Ah ouais. Elles sont toutes posées au fond. Money, baby.